Je suis au club de golf Beauceville pour le championnat provincial junior qui vient de se terminer. C'était un beau tournoi, plusieurs revirements de situation. À mes côtés, Christopher Vendette de Summer League qui vient de remporter chez les garçons. Christopher, c'est la deuxième entrevue que je te fais cette saison. C'est la quatrième victoire que tu remportes. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être le champion provincial junior? Donc, c'est vraiment spécial. C'est un tournoi avec les meilleurs joueurs de la province, alors c'était pas évident et c'est vraiment spécial pour moi. Si on parle un peu de ton tournoi, donc tu as connu un début de tournoi assez constant. Tu as joué 69, 69, 70 et aujourd'hui 75. Qu'est-ce qui a été un petit peu plus difficile aujourd'hui qui explique dans le fond ta performance? Les trois premières journées, je la frappais très bien quand même. Et la différence, c'était que je la frappais plus souvent dans le rough. Après ça, je frappais moins de green et les potes tombaient un peu moins. Donc c'était juste un mélange de pas mal tout. Et est-ce que tu pensais au fait aujourd'hui dans ta tête que tu étais le meneur? Parce que, par exemple, Olivier Ménard, à un moment donné, te rejoint en première position au 15e trou, si je ne me trompe pas. Puis Louis-Alexandre Germain Cogan, il était proche, il suivait d'un seul coup. Est-ce que c'est quelque chose qui te stressait? Pas nécessairement. Je pense que mon niveau de stress était à peu près la même chose pendant toute la ronde. À date cette année, j'ai quand même d'expérience avec être proche des meneurs et tout. Alors, je pense que ça m'a bien préparé pour aujourd'hui. Et, j'ai fait un bon swing au 16 aussi. Enfin, je savais que égal pour le lead. Et j'ai fait un bon swing, j'ai fait bird. Alors, je pense que ça m'a permis à vraiment. Ça t'a réveillé un peu ouais, là, quand tu t'es vrai. Rendu compte c'est que ça. Olivier Ménard était à égalité. T'as dit que ça t'a donné un petit boost, ouais. Un petit coup dans le dos. Ouais, c'est vrai, j'étais 5 over après 15. Alors, ça m'a réveillé un peu. Alors, j'ai terminé à 1 et 2 après 3. Si tu prends un pas en arrière et là, tu regardes ouais. Une vision large de ton championnat, les 4 rondes, de quoi es-tu le plus fier de ton jeu? Je pense que je suis très fier de ma patience pendant toutes les 4 journées. Les premières 3 journées, je la frappais bien, mais les potes rentraient quand même pas vraiment. Mais il fallait rester patient. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'a aidé avec un premier 9 moins fort, mais j'ai bien terminé ça avec la patience. C'est vrai que la patience est la clé au golf. Oui. Hein? Et ben écoute, Christopher, bonne chance pour les prochains tournois. Merci beaucoup. Donc prochainement, tu vas participer au championnat provincial amateur à Eagle Creek la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Et bonne chance pour tes championnats canadiens, aux Jeux du Canada et tes prochains tournois provinciaux. On Merci te souhaite la meilleure des chances. Merci. Merci.